que je reviens sur une vidéo, non pas sur les produits terminés. Je reviendrai un peu plus tard, bien sûr, parce que j'en ai pas mal. Je pense en faire une deuxième partie, la première et la deuxième partie, mais je ne veux pas m'éterniser non plus sur les produits. Hein. Je reviens simplement pour vous montrer, parce que je suis un petit peu en retard dans mes vidéos, pour vous montrer ce que j'avais réalisé pendant Noël. Donc Noël est passé, mais on est toujours dans les fêtes de fin d'année, dans le nouvel an, tout ça. Donc on a tout le mois de janvier, hein, donc pas de souci. Donc vaut mieux tard que jamais. Je voulais vous faire partager alors deux petites cartes pop-up et un album que j'ai créé pour Noël pour nous. Voilà. Donc pour nous, une petite famille, pour mettre des photos. Voilà, et bien sûr les sacs au crochet. Mais ça, c'était un peu plus tard, au bout d'un mois après. Voilà, donc je vous montre ça tout de suite. Donc je vous montre la première carte pop-up, donc dans les thèmes de Noël, sur le bloc que j'ai pris chez Action, avec des jolis sapins. Voilà. Comme ceci, vous voyez, donc à l'intérieur, c'est un joli petit sapin, comme ceci, voilà, comme ça, et donc là nous avons alors un renne, sur un petit nuage avec des, voilà. Et donc là nous avons un bonhomme de neige, voilà, et puis des petites décos, des stickers un peu par-ci par-là. Voilà, je pense que c'est sympa, quoi. Voilà, à offrir ou comme on veut, quoi. La deuxième, elle est comme ceci. Donc là, c'est une pince avec je ne dirai plus, mince. Casse-noisette, voilà, casse-noisette. Donc là, qu'est-ce que nous avons? Alors, c'est toujours dans le thème de Noël, hein, bien sûr. Des flocons de neige, nous avons le bonhomme de neige, en feutrine, bien sûr. Des petits stickers pailletés. Vous voyez, là, ce sont des flocons de neige. Le joli bonhomme de neige en feutrine. À l'arrière, nous avons des petits sapins. Voilà. Nous avons les petites étoiles, ou on peut dire des flocons de neige. Et là, ce sont, voilà, les bonhommes de neige, comme ceci, voilà. Donc là, nous avons la maison en pain d'épices, voilà, le sucre de canne, un petit gant, du bonhomme de neige, et voilà, des petits stickers un peu partout, voilà, très joli d'ailleurs, voilà. Bon, je vais pas trop m'éterniser, voilà, voilà ce que ça donne. Je vais remettre le casse-noisette comme ceci. Voilà, ici, je ne vais pas trop pincer, juste le mettre en travers, voilà, comme ça. Voilà, ça fait deux jolies petites cartes, hein, très sympatoches, à réaliser, hein, bien sûr. Voilà, ensuite, je vais attaquer l'album, bien sûr. Alors, l'album, voici le fameux album, hein. Voilà, j'ai fait un shaker, voilà. Comme ceci, un petit sticker marqué Merry Christmas. Voilà, comme ceci, ici. J'ai fait des petites breloques, comme ceci. Alors, nous avons des petites breloques, là, qui font du bruit. Nous avons jaune, gris, rouge, vert. Voilà, un petit peu de tout. Là, vous avez... Vous avez un petit chapeau du Père Noël.
comme ceci. On a comme ceci, je pense. Voilà, du ruban. Voilà, sous le thème de Noël, bien sûr, les petits rubans. Ça vient de chez Action. Voilà. Le petit sapin en bois. Voilà, une jolie petite. Voilà. Donc là, j'ai mis un petit anneau. Voilà. J'ai forcé avec l'appareil. Donc, assez compliqué, je dois dire. Mais bon, voilà. Sur la tranche, alors nous avons sur les blocs, hein, bien sûr, de chez Action. J'ai fait les découpes. Sur la tranche, nous avons des petits stickers que j'ai mis hein, comme ceci. Hein. Voilà, avec casse-noisette, etc. Voilà. À l'arrière, ben, nous avons un Père Noël en feutrine. Nous avons un renne, le traîneau, les paquets cadeaux, un paquet cadeau comme ceci en stickers, du ou du gui, voilà, la petite maison en pain d'épices, voilà, ici bon, ben, je vais vous montrer, voilà, j'ai fait le petit shaker, donc j'ai repris, vous savez, dans les, comment on appelle ça? Quand vous achetez ça chez Action, vous récupérez le boîtier là en plastique. Et voilà, donc c'est ce que j'ai réalisé. J'ai mis des flocons de neige dedans. De la fausse, des faux flocons, bien sûr. Vous voyez, hop. Alors j'ai mis un petit peu de tout. J'ai mis des petites étoiles, flocons de neige, des petits cœurs. Cœur en rouge comme ça là, des voilà, des petites décos dedans, très sympatoche, les petits sapins stickers en bois, un petit nœud pailleté là, du ruban pailleté hein, vous voyez, ça devient de chez Action, ça aussi ça vient de chez Action hein, voyez, tout autour là, le petit bonhomme en pain d'épices hein, bien sûr, je pense que vous connaissez tous monsieur pain d'épices. Et donc là, ben, la tranche, je vous l'ai montré. L'arrière aussi, bien sûr. Vous voyez. Et donc là, j'ai mis du ruban satin. On va pas dire satin, pailleté plutôt. Hein. Jaune pailleté, doré pailleté. Donc voilà. Bon, je vais vous montrer l'intérieur. Donc voilà. Ça, c'est sympa par contre. Hein. J'aime bien. Vous voyez. Voilà. Donc. Première page, ça se présente comme ça, voilà. Alors les feuilles noires comme ça là, je les ai pris chez Action. Alors j'ai voulu en reprendre la dernière fois, j'en ai pas trouvé. Je vous dis en ce moment chez Action, c'est pas trop top chez au niveau loisirs créatifs. Donc voilà. Donc là, ce que j'ai fait en fin de compte, j'ai percé un trou ici. J'ai fait passer une petite cordelette et donc là j'ai voilà. Donc voici. Donc première page. Donc là j'ai pas très fait de déco. Hein. J'ai mis juste un petit sticker ce sapin. Donc là on peut le défaire. Vous voyez, hop. Donc ça se présente comme ça. Vous voyez, c'est sur les thèmes de Noël, hein, les blocs. C'est le bloc de chez Action. Voilà, donc là, j'ai mis une petite photo de ma fille qu'elle avait fait faire à l'école. Cette année, d'ailleurs. Et c'est marqué « Bonne année ». Voilà, avec Monsieur Pain d'épices qui ressort bien avec le bloc. Voilà, ça c'est fait avec la machine. Voilà, donc là, une petite poule stickers pailletée, là aussi. Voilà, j'en ai mis qu'une seule, là. Comme ceci. Donc, on va remettre. On fait comme ça, on repasse à l'intérieur, voilà, ça force pas, donc impeccable. Donc ici, nous avons un petit cadre, vous voyez, hop,
j'ai bien mesuré. Et donc là, c'est pour mettre une toute petite photo. Bah, elle en a des toutes petites où je mettrai une petite photo de mes enfants. Tout dépend, on verra bien. Là, j'ai mis un petit sucre de canne sans en mettre un peu partout, ça sert à rien. Et on peut marquer un petit mot. C'est sympa. Là, par contre, sur le... Au début de l'ouverture, j'ai fait une pochette sur le thème, bien sûr, toujours. Et là, c'est les petits stickers que j'ai... comment ? C'est écrit, mais Happy Christmas. Donc, je les ai pris chez Noz, il y a longtemps. Ça fait l'année dernière, je crois. Et donc là, vous pouvez laisser ce que vous souhaitez. Moi, j'ai mis une petite photo. Donc, voilà. Voilà pour la première. Donc, là, je pense que nous sommes... c'est ça qui gêne. Voilà. Donc là, toujours sur la première, j'ai mis du gui, petit sticker, juste un seul. Hein. Là aussi, ça c'est une reine. Un reine. Très joli d'ailleurs, hein, les stickers. Hein. Ils sont magnifiques. Voilà. Là, et un petit flocon. Bah, vous pouvez y mettre des photos. Hein. Voilà. Là aussi, j'ai mis un petit sticker. Là, voilà. Comme ça. Vous voyez. Là, j'ai pris la perforatrice. J'ai fait des petits bonhommes de neige. Magnifique. Hop. Et on y met une photo. Et puis, on peut écrire quelque chose. On y met... on écrit un truc et hop, on colle. J'ai mis un petit gant stickers, ce qui est très sympa d'ailleurs. Voilà, là c'est comme ça. Ensuite, là, j'ai fait une pochette accordéon. Vous voyez, une pochette accordéon. Donc, sur la première, c'est comme ceci. Vous voyez, hop. C'est comme ça. Là, on y glisse une photo. Là, on y met une petite photo. Une petite ou une grande. Ou vous y mettez simplement ce que vous voulez après. Voilà. Comme ça. Voilà. Vous voyez, hop. Voilà. La deuxième. La troisième. Le Père Noël. Voilà. Je vous l'ai dit, hein. Je trouve ça très sympa. Ah, il y a Tarzan à la télé. Ouais, ok. Ouais, je pense qu'on t'a assez entendu là. Hein. Ouais. Il se fait bien entendre, hein. N'empêche. Ouais. Je ne vais pas trop m'éterniser non plus sur l'album. Voilà, ça ne force pas. Impeccable. Là, vous pouvez y mettre une petite photo. Hein. Dans vos décos, là aussi, hein, mettre une photo comme vous souhaitez. Voilà, j'ai mis juste un petit sticker comme ceci, hein, pailleté. Vous voyez, hop. Et là, j'ai mis une petite photo à l'arrière, comme ça, juste pour vous montrer ce que ça donne. Là aussi, hein, petite photo. Voilà, là aussi, vous pouvez y mettre, c'est une petite pochette avec petits stickers, paquet cadeau. Voilà, là, ce sont mes petites photos perforatrices, des deux côtés, hein, pareil. Voilà. Là, nous avons une petite pochette. Là, on tourne, hop. On y met une photo. Là, hop,
ce qu'on fait, on tire. Voilà, et là vous pouvez y mettre des photos. Voilà, vous voyez. Hop. Voilà. Vous voyez. Voilà. Hop. Et là, pour finir, c'est une photo. Voilà, vous pouvez y mettre ici une photo. Voilà. Voilà. Donc, je vais vous dire combien il y a de pages. Alors, sur la première, nous en avons une. Une, deux, trois, avec la pochette d'accordéon. Trois, quatre et cinq. Voilà, qui s'ouvre comme ceci que je vous ai montré. Vous voyez, hop, on le tire, on remet, voilà, la petite pochette pour finir, vous voyez, hop, ça fait 5 en tout, voilà, 5, voilà, donc je me suis dit, c'est assez sympa, voilà, petit album facile à réaliser, rien de plus simple, voilà. Il n'y a rien de compliqué. Voilà. Hop, on refait les nœuds. Voilà, comme ceci. Voilà. Ce qui est bien, c'est les flocons de neige qui sont à l'intérieur. Assez sympatoche, je trouve. Voilà pour l'album. Que c'est sympa. Voilà. Voilà, voilà. Donc maintenant, je vous montre les dernières réalisations au crochet. Donc c'est parti. Maintenant, je passe au fameux crochet des sacs au crochet. Donc voilà ce que j'ai réalisé comme ceci. Alors, nous avons deux couleurs. Hein. Nous avons du rose et de la couleur crème à peu près. Voilà. Dans les anses, je les ai fait de deux couleurs aussi, rose et en crème. Voilà. Donc là, ça vient de chez Action. Vous savez, les petites... voilà. Donc, j'en ai rajouté sur les côtés, les quatre côtés. Voilà, les deux côtés. Donc, ça nous fait quatre côtés. Voilà, donc là, j'ai rajouté des petites perles en bois qui viennent de chez Action. Vous voyez, hop. Voilà, j'ai fait une petite... voilà, donc hop, on ouvre comme ça. Je vous montre l'intérieur. Voilà, donc hop. L'ouverture se fait par un clip, voilà, que j'ai cousu, bien sûr. Vous voyez, l'autre côté pareil. Et donc, l'intérieur, c'est comme ceci. Vous voyez. Voilà. Donc, j'ai cousu. Voilà. Comme ça. J'ai pris la bonne dimension du tissu. J'ai choisi ce tissu-là. Ils viennent de chez Action, les tissus, vous savez, par bloc de 5. Voilà. Donc, voilà comme ça fait. Je trouve ça très sympa. Vous voyez par vous-même, comme ceci. C'est sympa, je trouve. Vous voyez, on peut y mettre ce qu'on souhaite. C'est sympa. Voilà. On reclipse après. Voilà. Rien de plus simple. C'est pas plus compliqué que ça. Hop. Là, on refait le petit nœud. Vous voyez. Hop. Comme ça. Voilà. Thank you.
on tire comme on veut. Hein. Voilà. Là, j'ai rajouté des petits cœurs satin rouge. J'en ai rajouté simplement deux de chaque côté. Vous voyez, comme ça, pour faire joli. Voilà, c'est tout ce que j'ai rajouté au niveau du sac. Voilà, à part les petites perles voilà, que j'ai repassées entre les deux mailles. Vous voyez, deux petites mailles, chaque maille. Voilà. Et moi, je trouve que ça fait très chic. Vous voyez, juste comme ça. Ça fait super bien joli. Voilà. Ça fait très chic, n'empêche. Ça, c'est avec de la laine, hein, par contre. Voilà. Et ensuite, le deuxième. Alors, je passe au deuxième. Désolée, je remonte un petit peu. Alors, le deuxième me paraît un peu plus compliqué à travailler. Fortement, bien sûr. Enfin, une fois qu'on a la main après, bon, bah, c'est bon, hein, voilà. Il ne faut pas prendre n'importe quel crochet non plus. Voilà, donc c'est pas de la laine, du trapilo. Voilà, donc celui-là, je l'ai payé, et celui-ci, les deux laines, je les ai payés au marché des affaires. Voilà, donc voilà. Donc si vous le voyez, celui-ci est un trapilo moins épais que celui-ci. Vous voyez, celui-ci est plus dur à travailler. Vous voyez, il n'empêche que j'ai bien quand même travaillé le trapilo. Voilà. Là, c'est des anneaux que j'ai récupérés sur des sacs à main que je ne me sers plus. Donc, des sacs à main qui sont en bon état, mais que je... Donc, l'intérieur ne me plaît plus ou le dessus ne me plaît plus. Donc, c'est des sacs à main que je garde pour récupérer des petites... voilà. Donc, les anneaux. Alors, c'est mon mari qui les a serrés, bien sûr, les anneaux. Hein. Ensuite, moi, j'ai travaillé chacune des... j'ai fait la première partie. La première partie. Voilà. Après, j'ai fait le dessous. Le dessous. Et j'ai pris les deux parties, derrière et devant, pour les assembler. Voilà. Donc, ça nous fait un... Voilà. Comme ceci. Bon, je vous montrerai... mieux. Alors voici. Alors ça, c'est un petit pompon que j'ai fait moi-même. Voilà, comme ça. Mon porte-clés. En plus, ce porte-clés, vous pouvez le défaire. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. De ce côté-là, on peut le défaire. Ça, c'est un... comment... comment ça s'appelle ? Un porte-clés que j'ai récupéré sur un sac à main, qui est très bien, vous voyez. Même pas abîmé. Super, je me dis, bon, bah, je m'en sers plus. Pourquoi je ne l'utiliserai pas pour un sac à main. Donc voilà. Donc, bien sûr, il est lourd. Il faut bien le travailler. Vous voyez, hop. Donc ensuite, là, nous passons sur des petites perles en bois aussi. Hein. Moi, j'ai pris à peu près les perles qui pouvaient ressortir un petit peu avec la laine. Bon, le rouge reste avec le rouge, déjà c'est déjà bien. Voilà, hop. J'ai fait la même chose, sauf que je l'ai passé entre les mailles. Vous voyez, comme ça là. Je vais vous abaisser un tout petit peu. Voilà. Donc là, c'est comme ceci. Hein. Vous voyez, la ficelle. Là, je le répète. Hein. C'est travaillé avec du trapilo, 3 pixels. C'est pas de la laine, donc faut bien le travailler. Il y en a un qui est plus épais que l'autre. Vous voyez, hein, les anses. Celui-là est plus fin, celui-là plus épais. Voilà, ça c'est son anse avec les petits anneaux. Alors les anneaux, ça c'est ce que j'ai récupéré sur des sacs à main que j'ai. Voilà, je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Et puis en plus, ça vous pouvez aussi, je l'ai récupéré, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà, donc j'ai fait ce petit pompon. Ça c'est sur un sac à main, il est tout neuf. Voilà, on peut l'enlever, on peut y mettre ce qu'on veut. Hein. Alors, ça c'est moi qui l'ai rajouté, on peut y remettre encore des breloques. Hein. Voilà, donc là j'ai fait une partie ici, j'ai travaillé une partie
et j'ai refait l'autre partie pareil. Et là, j'ai fait la tranche. Voilà, et j'ai assemblé ça avec l'aiguille. Voilà. Donc ensuite, là, j'ai défait le nœud. On ouvre comme ça. Je vais abaisser un tout petit peu. Voilà. Et là, donc, on passe à l'intérieur. Et l'intérieur est comme ceci, vous voyez. C'est vraiment bien, 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 bien profond. Vous voyez, hop. On peut tirer, hein, bien sûr, voilà. Ce qui est le plus simple pour mieux... voilà, regardez dans le sac. J'ai mis du tissu que j'ai pas collé, hein. J'ai plutôt cousu. Enfin, pas facile, hein. J'ai cousu ça, j'ai pris tout mon temps. Et ensuite, j'ai mis de la dentelle que j'ai collée avec de la colle chaude. Voilà, qui est vraiment très, très bien fait, hein. Voilà, il n'y a pas de défaut, il n'y a rien du tout. Il n'y a aucun défaut, aucun défaut, aucun défaut. Vraiment, c'est super, quoi. C'est bien travaillé. Et je ne m'en plains pas. Voilà, donc là, je l'ai mis juste à la hauteur de ça, quoi. Voilà, vous voyez là, par rapport au travail, juste là. Hein. Je n'ai pas fait jusqu'en haut, ça l'aurait fait moche, quoi. Ça n'aurait pas été joli. Voilà, donc, c'est tout, hein. Voilà. Donc après, hop, on tire, voilà, comme ça, voilà, on tire, voilà, là c'est tiré complètement, on fait un nœud, on ferme, on fait comme ça, hop. Très joli d'ailleurs, très bien fait. Par contre, voilà, ça prend du temps. Il faut, ça prend du temps. Il faut comment? Il faut bien le travailler. Quand on a la main, ça va. Mais quand on n'a pas la main, il faut reprendre, suivre les étapes. Mais après, bon, ben voilà quoi. Mais quand on a vraiment la main, ben voilà, c'est simple après. Il n'y a aucun souci. Je vous montre ce que ça donne. Voilà. Voilà ce que ça peut donner. Voilà. C'est sympa, je trouve. Voilà. C'est très joli. Donc après, ça, vous pouvez changer, vous pouvez le mettre ici. Hein. Voilà. Petite breloque là. Puisqu'elle s'enlève, il faut la mettre. Voilà, là j'ai rien rajouté de spécial. Voilà, très bien. Voilà, très joli. Voilà pour les deux petits sacs, très sympa quoi. L'autre est plus léger, bien sûr, parce que c'est de la laine. Mais autrement, je trouve qu'il est bien travaillé lui aussi, hein. Bien, 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 bien travaillé. Hein. Au niveau, là aussi, hein, de la couture. Vraiment, c'est du bon travail. Hein. Voilà, je ne m'en plains pas, vraiment, c'est nickel de chez nickel. Hein. Voilà quoi. Après, bien sûr, on reclipse. Voilà. Voilà, je trouve que vraiment... voilà quoi. Ça fait joli. Voilà, les deux sont sympas, sont très jolis. Voilà, pas demander de plus que des jolis sacs. Voilà, fait au crochet. Demande beaucoup de temps, mais j'aime bien, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Sur ce, bah, écoutez, je ne vais pas trop m'éterniser trop longtemps. Sur ce, passez une bonne soirée. Likez la vidéo, partagez-la si le cœur vous en dit. Abonnez-vous si c'est déjà fait ou pas. C'est voilà, c'est vous qui voyez. Hein. Si mon contenu vous intéresse, bah, vous y abonnez. Si ça ne vous intéresse pas, vous ne vous y abonnez pas. Voilà. Donc, sur ce... à une très prochaine sur les produits terminés, bien sûr. Voilà, donc je voulais vous faire partager ce joli album aussi, hein, voilà, hein. Petit breloque, voilà.
Et donc les deux petites, bien sûr, voilà, cartes pop-up que j'ai réalisées. Hein, voilà. Sur ce, likez, partagez, commentez, vos commentaires très agréables. Voilà, ne me manquez pas comme je vous ne manque pas, je ne vous manque pas. Voilà, donc passez une agréable soirée devant un bon film. Voilà, je vous envoie ce cœur qui défile vers vous, à droite, à gauche, devant vous. Je vous fais plein de bisous. Chopez-les. Voilà, donc à très bientôt. Et sur ce, portez-vous bien. Et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.